Bah allez go. Et avec son charbon. Hein. Oui, oui. La petite fillette veut se battre. Envoie son petit calator. J'ai envoyé mon gros Wistikram. Bonjour YouTube, je sais pas si je vous dis bonjour, on est toujours en live sur Twitch, évidemment, twitch.tv/lupino. Si ça t'intéresse, je vais essayer de me remettre un petit peu plus au stream. Donc voilà. Bien. C'est en direct, c'est cool. Tu vois pas tout en plus en épisode sur YouTube. Il se passe des trucs entre les épisodes sur Twitch. C'est ça le plus rigolo. Voilà. Très bien. Oh putain, déjà le 9. On rend pas compte. Si à la sortie de Félicité, c'est beaucoup. Il est encore là, Fufu? Non, je pense pas. Mais ouais. Et je pense qu'ils ont quand même bien casualisé le jeu dans ce remake. Magikarp. Hein. Super. Hein. Super. Hein. Tu vas aller loin avec ça, gamin. Hein. Voilà. Ouais, super. Hop. Level up? Non. Quand même pas à chaque fois, ça va. Ok, dernier Pokémon. Je crois que pareil, cette route-là, elle est pas très longue, hein. Il me semble que... Et puis les principaux souvenirs que j'en ai, c'est évidemment la première fois que j'ai joué. Donc à l'époque, il y a... 14 ans du coup. Oh la vache. Il y a 14 ans du coup. Et forcément, à l'époque, quand t'es tout petit, tout te paraît plus compliqué, plus long. Et voilà, donc... j'ai cet effet-là... Plus le fait, à mon avis, qu'ils aient effectivement retouché la difficulté quand même et qu'ils aient un petit peu casualisé le remake. Bah les deux cumulés, ça fait que bah maintenant je trouve que... Enfin, j'ai probablement... Et c'est probablement la raison pour laquelle je trouve le jeu très simple maintenant. Mais ce qui est normal au final, enfin... Alors casualiser le jeu, ça c'est un débat. D'après moi, c'est pas utile. C'est pas forcément le meilleur choix qu'il pourrait faire. Mais voilà, le fait de trouver, en ayant grandi, en ayant évolué, de trouver quelque chose de bien plus simple qu'à l'époque, quand t'étais jeune, bah forcément, c'était... c'est normal. Va-t'en avec ton bouton, là, garde ta race. Allez, dégage de là. tu me gênes. J'essaie de meubler, mais je suis pas vendeur à Ikea, hein. Ouais. Ah, t'es dans l'ombre en plus. C'est terrible. Même la cinématique, elle veut pas de toi. Oh. Karma. Karma. Je trash talk le PNJ. Le jeu m'a fait. Ah ouais. Bah tiens. Tiens, t'iras pas plus loin. Là. Oui. Moi qui ai fait les musiques du jeu. Chemin rocheux. Quoi? Ok. D'accord. D'accord. Je me rappelle pas de ça, hein. C'était que des applications de Pokémon, travaux, quoi.
Je. D'accord. Je vais pas vous mentir, je suis un peu perturbé. Parce qu'il y a deux choix. Soit je suis un énorme boulet et je me plante de route. Soit j'ai oublié. Quelque chose. Mais c'est sûr, c'est une capacité avant, c'était une CT. Oh, il n'y a pas un délire où ils ont enlevé les CT dans le remake? Oh, je crois qu'ils ont fait ça. Attendez, bah du coup, je me plante de route. Attendez, quoi? Je vais... Carte. Allez. Allez. Taisez-vous, taisez-vous. Je veux pas vous entendre. J'ai perdu 10 minutes, c'est pas grave. Quelle question? Non, non, je me suis amélioré. Tiens, je vais te le prouver. Ouais. Taisez-vous, hein. Taisez-vous bien fort. Laissez-moi dans mon ignorance. J'ai honte. J'ai honte. Oh putain. Non, j'ai pas. Je suis mort. C'est dead. C'est lose. J'ai pas heal mes Pokémon. C'est full dead. Bonsoir à tous. It's dead. Ciao. C'est terminé. Merci d'avoir joué. J'ai mon Lixi level 8, mais je pense que ça a mal se passer quand même. je pense que ça a mal se passer. Ah là 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 là, terrible erreur du joueur français. Aïe aïe aïe, terrible erreur du joueur français. Bon, ça devrait le faire en vrai. Oh quoi? Je suis teubé. J'ai confondu avec une autre attaque. J'aurais dû lire. J'aurais dû lire. Ouais, d'accord. Ouais. Vesper. C'est pas facile, hein. Bon, allez. Ça va, ça va. C'est pas loose, calmez-vous. Ça craint, il le dit avec le sourire. Bah oui, parce que le pauvre, on lui a pas donné une autre expression faciale. Donc forcément, il ne peut que sourire. Allez. Bon, Lixi m'a quand même sauvé la vie, hein. Pas se mentir. Voilà. Bien content qu'il soit là. Oh là là. Ouais, c'est. C'est. Ouais, c'est. J'ai le mot fanservice. Fanservice. Ouais. Fanservice, mais. Fanmade qui me vient en tête surtout. Hein. Comment ça, j'ai perdu? Ouais. Allez. Casse-toi. Ouais, j'ai comme l'impression. À des moments, j'ai l'impression de voir un jeu. Un fanmade quoi, un jeu fait par les fans. Et ce qui me fait un peu suer, c'est que bah, je me demande si ça aurait pas été mieux fait, si ça avait été le cas. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Après c'est pareil, hein. Ça va faire une heure et demie, pardon, je crache sur le jeu, mais je suis bien content d'y rejouer sur la Switch. Voilà, bon c'est.
ça me fait plaisir. C'est juste que voilà. En fait, en imaginant ce qu'ils sont capables de faire, bah là tu te dis, c'est dommage. Il y avait du potentiel, il y avait la possibilité de faire 1000 fois mieux. Après, bon, c'est pas grave, encore une fois. Moi, je suis là pour la nostalgie, pas pour la qualité du jeu. Et pour ce qui est de la nostalgie, bon, je suis servi. Ça va. On va tranquillement aller à Cherbourg. Hein. Voilà, on va avancer gentiment. On va essayer de faire la première arène quand même aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter après quand même. Parce que pour un premier live, depuis quelques temps, je vais pas faire 5 heures non plus. Voilà, surprise. Incroyable. Quel talent d'acteur. Très bien. File-moi ta thune, gamin. Parce que oui, on raquette des enfants, on n'a aucun scrupule. Hop. Alors ça. Impeccable. Coucou. Oui. Je savais. Merci. Qu'est-ce qu'il me dit? Conseil adresseur. Ouais. Ok. Salut. Pouais. Bon, on aura quand même appris avec ce fail hein, de début de live, enfin de début d'épisode, que maintenant, enfin on aura appris. On se sera fait rappeler à nos dépens. Que, effectivement, dans ce jeu, ils ont supprimé les CT. C'est des applications de montres. Ce qui est tout à fait RP, hein, évidemment. Puisque, quand j'ai un énorme rocher de 3 mètres par 3 mètres, et qui pèse, au bas mot, 3 tonnes devant moi, bah, c'est évidemment avec ma montre que je le détruis. C'est logique. C'est normal. Oui. C'est normal, Asino. Bref, non, je suis médisant, faut que j'arrête, putain. Vous allez vraiment croire que je déteste le jeu à force. Ce qui est faux, non. Je l'aime juste pas. Non, c'est faux. Pour le moment, je prends du plaisir, évidemment. Je suis très content de retomber dans Pokémon Diamant. C'est un kiff. Voilà. Puis on va commencer à rentrer dans la partie de l'histoire la plus intéressante. Les arènes. Et... Non, écoute. On reste avec Wistikram, il fait le travail pendant. Et comme n'importe quel employé, quand il commencera à faire. On espère. Pardon. Quand il commencera à faire moins bien son travail, il sera viré. Voilà. Laisse-moi passer par contre. Ah. Super. C'est Licky. Voilà. Superbe imitation. Oui, c'est bien. Allez. Chut. Oh non. Ah, faut faire un effort, Wistikram. Faut donner un peu de sa personne, hein. Allez. Merci. Impeccable. Oui, on va le combattre aussi, hein, vous me direz. Oui. J'ai perso figé. Oh, Machoke! Tac.
Impeccable. Super, hein, vraiment très utile. Voilà. Tu apprendras de tes erreurs. Allez. Ah, puis après, je crois qu'au-dessus, il y a une petite dresseuse vite fait. Et puis, on va pouvoir directement... Gros yeux. Voilà. Et puis après, ouais, on pourra directement aller dans la grotte. Voilà. Je crois qu'il y a peut-être un truc à gauche. Je vais aller voir. Ça pique ma curiosité. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis curieux. Les tourmis, oui, d'accord. Petite flamèche qui devrait one-shot au bout d'un moment. Oh! Pitié! Un boost, j'avais pas tilté sur le coup, mais qui me sera très utile là, très très vite d'ailleurs. Qui va m'être très très utile en fait. J'ai pas du tout relevé sur le coup, mais c'est cool. C'est très cool d'avoir ça. Spra! Alors, pas pour ça évidemment, pas pour gifler un Connotaur, mais vous allez voir. On va vous spoiler pour ceux qui n'ont pas... qui n'ont pas tilté. Tac tac tac. Il y a quoi du coup là? Ah oui, la balle qui est juste en dessous. J'y vais. Abra! One shot? Allez, one shot. Allez, au revoir. Une repousse. D'accord. On prend. Un petit queue d'auteur. Pour changer. Je crois que je suis pas full vie avec Wistikram. Non, mais je vais passer au centre Pokémon quand même avant. Je vais me respecter. Ça va. Entrée de Charbourg. Bonjour. Je vois que tu es une Pokémon. Ça ne fait pas très longtemps que tu es dresseuse, non? Mais c'est super. Plus on est fou, plus on rit. Laisse-moi t'offrir si c'était une application pour ta Pokémon. D'accord. C'était 98. Et la troc. Mais non! Cavité secrète. Via celle-ci, je pourrais briser le petit rocher. D'accord! Non, en fait, il y a toujours les CT pour les Pokémon, mais il y a en plus ça. D'accord! Cool! Merci. Merci. Non! Oh la vache! Ah oh, non! Alors, par contre, cet effet de flou! Ah oh, oui, d'accord, j'allais dire qu'est-ce qui m'arrive. Cet effet de flou là, en haut et en bas de l'écran par rapport au perso, oh ignoble, ça fait mal aux yeux. Pourquoi ils ont fait ça? Dégage de là. Oh non, pourquoi ils ont fait ça par contre? C'est très très moche. Attendez. Aïe. Allez, attendez. Vous allez voir de quoi je parle. Voilà cet effet là sur les cailloux en haut et le caillou qui est devant le gars à gauche et les cailloux qui sont juste en haut de l'écran là, ils sont tout flous. C'est super moche. Pourquoi ils ont fait ça? C'est mal aux yeux. Quand même une bonne idée ça. Oh
En tout cas, ils ont quand même fait des petits décors à chaque fois là. Bon, décors qui m'ont l'air d'être les mêmes pour chaque côté des combats. Mais en reverse, non? Je me trompe? J'ai l'impression. Mais bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as combien de Pokémon toi déjà? Avec un, hein? Oui, t'en as avec un. Voilà. C'est bien. Allez, va. Tudum. Deux. Selena. D'accord. Pas de chance, hein. Je suis un bâtard. Allez. Éliminons ceci. Et on va très vite être à Charbourg, hein. Ça, c'est cool. Voilà, petit level up. C'est toujours ça de prix. J'aurais pu changer de Pokémon, effectivement. Le ciel gris, évidemment, dans une grotte, logique. Toujours le pour but d'avoir le lore le plus poussé, hein, et le réalisme le plus poussé dans ce jeu. Oh, ça va. Franchement, bon, ça reste pistolet à eau, mais ça aurait pu être pire quand même. Quoique non, il est que level 5 en fait. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je risquais rien. Très bien, bon, allez. Allez, pleure pas. Ça va se passer. C'est parti! Oula. J'ai peur. Alors, juste faire une petite sauvegarde. Voilà. Salut dresseuse! Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Alors laisse pas te montrer où se trouve l'arène de notre ville. Il n'y était pas ça non plus dans l'original, je crois. Hein. Tiens, il y a quelqu'un devant l'arène. Ah oui, bah tiens, c'est bizarre. Non, à gauche. Salut. Hein? Oh, c'est toi, l'agneau. T'arrives enfin. Tu traînes toujours autant. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit qu'il devait aller à... Ah oui, à les mines de Cherbourg. Je dis ça, je dis rien. Hein. Fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, j'ai déjà mon badge. Et du coup, pourquoi tu restes devant l'arène? Passons. Je ne t'en veux pas. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Je t'en veux pas. C'est juste que le Vesper que je connais, il m'a l'air un peu plus intelligent que toi. Mais c'est pas grave. Là. Allez. Moui, 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 moui. Moui, 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 moui. Faudra que j'étoffe un petit peu mon équipe aussi, hein, de ces jours. Encore une fois, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas du tout avec quoi. Bon. On verra. J'ai le temps. Salut! Avec un nouveau circuit! Expect Modo! Pas mécontent d'avoir renommé l'autre débile. Avec ton pseudo, toi, par contre, hein. Moi qui te le dis, hein. Il va Vesper. Pourquoi Aurore est blonde? Et pourquoi elle est pas blonde? Et pourquoi elle serait pas blonde? Elle va me faire chier avec ça. Pas possible. Non mais oh putain. Oula mur. Super. Toujours aussi smart. Ah, c'est ça ton problème, tu réponds pas à la question des viewers. Les autres te revoient en live. Ah bah voilà! Voilà quelqu'un de gentil. Oui, moi aussi je suis content. Très content. Après, je t'ai répondu, hein. J'ai répondu, t'es un gars. Après, si la réponse te va pas, c'est pas mon problème. Hein. Ah, mon écran il saute à des moments, il me fait des black screen. Je suis pas rassuré.
crois qu'il... je crois qu'il est légèrement en train de crever. Moi, je pense qu'il a juste un an et demi, donc... ça m'emmerde un peu. Aïe. Tiens, je sais que... J'espère, du coup, toi, t'as pas du tout pris le jeu. Et toi, Tenga? Oh, une question, Totalement. Exactement. C'est ça. C'est continuellement à la recherche de nouveaux commentaires. C'est de la PNL. Allez. Enfonçons-nous dans la grotte. Ah non, merde, je joue pour remake. Même avec un bâton. Putain, quel bâtard. Ah, je pensais que tu... Aïe, aïe, aïe. Tu fais agresser. Je pensais que... Je sais pas. Ah, mais... Ça, en vrai, ça va. Ils sont pas non plus... Ils sont pas si ignobles. Quand même. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, je suis pas là pour la qualité du jeu, parce que... Sinon, bah, je serais pas là, justement. mais je suis là surtout pour la nostalgie et le fait de retoucher... Il y a des limites, hein. Je veux bien être un pige, mais ça va, hein, il y a des limites. Ouais, oui, bon, il me raconte sa vie, lui. Oh là là, mais mon écran est en train de canner, au secours. Mon écran est juste en train de canner. Oh là là. Je suis pas serein. Pitié, hein. Même mon écran il veut pas du remake. faut mourir, hein, monsieur. Quand on ressemble une couille en caillou, ça va. Hein. Il a pas son mot à dire normalement. Allez hop. Après, moi ça va. Dans le sens où je suis un pigeon. Mais pas au point d'acheter le pack double collector plus turbo salope double version. Ça va, j'ai juste pris diamant étincelant. Après, moi j'en connais un qui était en mode à la sortie. Gne, 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 jamais je touche à ça. Après, qui était en mode bon, vas-y, c'est bon, j'achèterai diamant. Et puis hier, qui était en mode bon, je crois que je vais prendre perle. Voilà. Bon, je dis ça, mais il est plus dans le chat, donc ça sert à rien de trash talk. Toujours rester Pokémon sans surnom. Bah ouais, j'ai une race, moi. Un peu cringe. Mais non. Mais c'est quoi, non. Ouais, quand tout à l'heure, le professeur m'a demandé si je voulais rename mon Pokémon, je dis, est-ce que tu veux que je te gifle? Bon, bah non. Voilà, même réponse. Non. Un peu de respect. Pitié. Monsieur, pourquoi Vesper? Je note humain, il n'y a pas besoin de plus après. Ce surnom par ici. Ah, toi aussi. Oh, quel enfer. Grâce à la capacité secrète. Grâce à la... Oh, bah, vous savez quoi, je vais le faire un accent comme ça. Grâce à la capacité secrète et que la troc, je peux réduire la poussière à déloger. Je vais être portugais. Qui bloque le passage. Pourtant, de faire ça plein d'éboulements. Tu obtenais le badge de notre arène, tu pourrais... Non, c'est mi-russe, mi-portugais, et ça marche pas. Tu pourrais toi aussi détruire le rocher. Qui te balle la route. Bien sûr, pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Au secours. Ah, tu l'as fait fuir. Un accent de portugais pour un mineur. Stream un peu poulet. Oh merde, j'ai même pas fait gaffe. Oh là là. Est-ce que vous me faites faire, hein. Oh là là. Est-ce que vous me faites faire, hein. Banned, hein. Soon banned, hein.
Oh là là là. Et je vais avoir des problèmes. Hein. Que le premier champ. Mon écran, pitié. Oh là là. Au secours, hein. Mon écran qui est en train de vécreux. Sinon, à part ça, tout va bien se passer. C'est pas grave, après tout. Kitty, est-ce que tu vas voir dans ton équipe? Non. Voilà. Merci, Fury. Non, pas du tout. Non, non. Vraiment pas. Après, peut-être un petit Karchak Rock. Voilà, des Pokémon avec du flow, quoi. Avec un peu de charisme. Mais sinon, des noms spécifiques. Des noms en particulier, non, pas vraiment. Scorbunny ou conséquence? Aïe, conséquence du coup. Hein. Conséquence, aïe aïe aïe. En plus, Scorbunny, c'est pas exclusif à Perle? Avec un Chakrok, Luxray, Toraptor, Simiabraz, c'est bon, on le connaît. Oh le bâtard! Oh putain! Oh, je me suis fait cerner! Oh là là! Oula, aucune idée, il me semble, hein! Oh Tenga! Oh là là, Tenga, je vais devoir t'éliminer! Tiens, c'est beaucoup trop! Oh là là! Après, est-ce que ça serait pas l'exacte équipe que j'avais dans. Oui. Pour le. Comment ça s'appelle? Pour. Merde. Au secours! Au secours, au secours! Pour les SP sur Perle. T'avais un Palkia aussi. Rajouter Palkia. Bah non, du coup, Palkia, ça va être compliqué, mais. C'est vrai que j'aurais pu mettre le titre. Enfin, la version du jeu dans le titre. Sauf que c'est pas comme si j'avais utilisé absolument 100% des caractères. Je suis un gamin, je suis un enfant. Vraiment, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, pitié. Oh, il fait chaud ici. Ah! Là. Oui, à bientôt. Allez, cassons-nous. C'est l'heure de l'arène! Attendez, peut-être save un coup parce que j'ai entendu des dingueries, mais des dingueries sur ce jeu. Non, non, mauvaise touche. Des dingueries sur ce jeu et ses arènes. J'ai vu des clips, c'est des dingueries. Hein. Attendez, quoi? 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 C'est quoi ça? Quoi? Mais on est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce passage là? Mais y'a plus aucun respect? C'est déjà le cas dans les jeux de base. Non, mais apparemment dans le remake c'est la complexité compliquée. Hein. Mais alors par contre ce passage là c'est quoi ça? C'était aussi en jeu de base, ça? Non. Mensonge. Ça a été rajouté parce que justement les arènes sont buggées. Yep. Quoi? Oh, j'ai aucun souvenir, c'est terrible. C'est déjà le cas dans le jeu de base. Ça alors. Choqué. Ok. Ah, mais c'est des. Pourquoi avoir fait ce passage là, même dans le jeu de base permis de bypass absolument tous les dresseurs avant d'arriver au champion. Incroyable, c'est. Quoi? Oui, Sticram évolue? Déjà?
Il y a pas mal de premières arènes dans les jeux Pokémon en général. Oh. Ok, ça j'ai jamais. Non, tu connais pas ta table d'éthique quand tu joues à BP pour la première fois. Tu connais ta couche de Ah putain. Je te hais. Je te hais, hein. Passons. Passons. Oh, il fait nuit. Regarde. Oui. Antonio. Spray. J'ai combien de PV, moi? Oh, ce cul. Ce cul, j'ai un bon feu. pardon, je suis un enfant. Ouais, j'ai 23. Ouais, 29, ça va. Ça va, ça va. Champion facile. Ça va. Ça va, pas le temps. Hein? 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 Ça va, moi? Tu es cringe, mon frère. Non mais j'avais jamais vu qu'il avait une tache à base de la queue. Ça va moi ça. Ah, vous fatiguez vraiment. Fatigué. Putain mais arrêtez-les, oh là là, ce chat. Coup critique, waouh, incroyable. Hein, délire. Bonjour. Pierrick. Bienvenue à l'arène des charbons. Je suis Pierrick, le champion d'arène. Je combats fièrement aux côtés des Pokémon Roche. Bien, montre-moi tes compétences de dresseuse et la force de tes Pokémon. Oh, putain. Que ce soit le light, les caméras... Tout est moche. Je suis désolé, hein. Après, c'est pareil, hein. Depuis les derniers lives, il s'en est passé des choses. Et je suis devenu un gros con. Mais j'étais déjà un bon con avant. Hein, mais là, c'est pire. Donc voilà. Mais ouais, hein. Il y a des trucs, moi, ça fait peur, hein. Franchement, il y a certaines choses. Franchement, ça ressemble à du travail amateur, hein. Petite schizophrénie, ce cher Pierrick, il sait plus quelle personnalité choisir. Écoute, on stick la spéciale à nous, tu fais du let's play, starter plus level 10, plus 10 levels par rapport à l'équipe, 3 attaques feu et une attaque combat sur le signe abrase. Eh bien non, je vais te faire mentir. Voilà. Je vais te faire mentir, évidemment. Parce que j'aime le plus, c'est donner tort aux gens. Voilà. Non, en vrai, là, je fais l'arène avec Chimpanfeu. Parce que j'ai une attaque de type combat, en fait. Voilà. Et parce qu'il est doué pour éviter les attaques, en fait. Visiblement. Apparemment, d'autres joueurs fous. À base bientôt de Simeras, il apprend pas Blizzard. Attends. Simeras, il apprend pas Blizzard. Bah, il me semblait, mais bon, apparemment. Oh là là, les gens vont me prendre au sérieux à la force. Hein. Bon. Dark Punch. Par contre, il apprend surf. Lol. Grosse blague! Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite. Allez, ensuite. Maintenant que j'ai pris la race. Allez. Alors ça, par contre, le séisme, j'étais pas prêt. Enfin, non, c'est quoi, c'est même pas séisme qui m'a fait, je crois. Oui, ça va, t'es content, on a compris.
faim, frérot. Non, mais non. Aïe. Mais oui, mais c'est pour le challenge, Tenga, tu comprends pas. Aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe. Carré, net, précis. Allez. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Non, on, hey. Pourtant, franchement, j'y crois. Oh la honte. Shame. Oh, shame on me. Oh la honte. À combien de Pokémon tu as joué, rappelle-moi? Allô? Ouais. Ouais, on vous reçoit mal ici, malheureusement. Répétez. Mais oui, c'est mon problème sur mon premier jeu. Oh là là. Soyez indulgent, hein. Vous êtes pas gentil, franchement. Franchement. Vous êtes pas gentil. Et moi, ce que je kiffe, c'est que je vais forcer, en fait. Je vais vous rendre dingue. Je vais vous rendre dingue. Ça ne va pas changer. Bon, après, j'ai commencé, c'est pas rien. J'ai commencé l'arène avec 2 tiers des PV. Donc, bon. Ou un boost. Oui, bon, ça va. Ça va, ça va. C'est vraiment une diff. J'ai même pas regardé. Je vous avais dit, hein. Je vous ai dit, je suis pas là pour. À force de frapper, les points deviennent plus durs. En fait, même. Même dommage. Mais, effectivement, petit boost d'attaque, effectivement. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est un peu plus intéressant. Bon, d'accord, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Non, je pensais que point boost était bien moins. Bien moins fort. Genre 25 dommages. Mais pas du tout. Brise moule. Voilà. Bon. J'ai forcé. Quand ça passe ou pas, il faut forcer. Quoi? Impossible. J'avais tellement entraîné ces Pokémon. Ils sont chiants, putain. Ils sont chiants. C'est un peu embarrassant de perdre contre une dresseuse qui n'a même pas de badge. Mais c'est comme ça. J'étais plus fort que moi, c'est tout. C'est par le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène. Puisque tu m'as battu. Voilà le badge de charbon. Tiens, un bout de caillou brûlé. Voilà. Et hop. Oh, quel plaisir. Quel plaisir cette musique. Tiens, je te donne ça aussi. Ouais, merci. Voilà. Allez! Ciao! Toi t'es pas. Toi t'es badge par contre, vraiment. Et toi t'es badge, hein, pitié. Pitié, monsieur! Bon! C'est bien! Premier badge, première arène. En plus, c'est cool parce qu'on l'a one shot? Non. Du coup, on fait 45 minutes de VOD quand même. Hein. Bon. Oups, là nous. Alors, t'as obtenu le badge, c'est cool.
Le prochain est l'arène de Vestigion, pas vrai? Du coup, j'ai foncé sur la route 207. Mais en fait, on peut pas y aller sans bicyclette. Mais bon, j'ai profité pour entraîner mon équipe, donc je suis pas allé bien loin. Je suis pas allé pour rien, pardon. Bref, si je retourne vite à Félicité et puis j'enchaîne sur Vestigion pour récupérer le badge. Attention, sprint de folie dans 19, 8. Ah, pas le temps! Calme-toi, calme-toi. Ah, je suis content de ma blague, putain. Ah, qu'est-ce que je fous là, moi? Je suppose. Je suppose. T'es gag en mode, bah alors? Bah alors, mon ref, on a ça? Ah, mais non, mais ça va, c'est... Un clin d'œil. Allô? Merci. Oh, le jeu, il me fait peur des fois. Très bien. Je sais même plus au secours. C'est là. C'est ça. Bon. Ah si, j'ai dit, il n'y a plus de son dans l'autre terme. Si, si, ça va. Si, si, ça va. Tranquille. J'ai le KTR, bah super. J'ai mon truc. Attends, c'est quoi comme touche? C'est ça déjà? Non, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok, ça marche comme ça. Très bien. Je fasse un petit live Pokéradar. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout. C'est vrai que j'ai tellement de temps en ce moment à tuer que. C'est cool. Hein. Qu'est-ce que je fous là? Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ok. Très bien. Alors là, j'ai un. Ça y est. Hein. Premier jeu, tout ça. Et en mode ouais, c'est vrai, je connais le jeu. J'ai jamais dit ça par contre. Ah oui. C'est vrai. Ah, l'agneau! Tu t'en vas pis, comme toujours. Je ne comprends pas ce que me veulent ces vauriens. Apprends-leur les bonnes manières. Allons, professeur. Pourquoi faites... je vais filer une voix... Oh là là. Je vais donner un accent russe à la Team Galaxy. Allons, professeur. Pourquoi faites-vous le difficile? Vous proposons juste de marcher. Donnez-nous tous les résultats de vos recherches. Votre assistant paye là. Ah, c'est chiant par contre ça. C'est chiant, hein, comme mot. Payera le prix fort. La dégaine de la Team Roblox, les bâtards. C'est vrai qu'ils sont pas. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Comme si on est sur les Sbires Galaxy plus laid encore. Là, nous, je suis à toi, moi, y'a platissons ces types. Oh là là. Oh, le lancement de. Oh là là. Alors je sais pas si c'est le jeu qui est pas opti et qui rame ou si c'est là ça va. En fait le vrai problème c'est que in fight tous les persos sont cool, mais dans le monde ouvert entre guillemets, bah je suis désolé mais ouais les chibis sont moches en fait. Mais bon, écoutez, oh là là, mon écran pitié. Oh là là, c'est mon écran en train de crever. Attends, les bougez pas. Ça sert à grand chose, mais. On va voir. Ok, combo griffe. Ça sera toujours mieux que griffe, hein. Ouais, déjà. Ouais. Très bien. Ah, super. Sinon, t'attaques quand un truc qui pousse? Voilà, merci. J'allais dire, c'est gênant.
Voilà. Bon, puis après ça, VOD YouTube, on va s'arrêter. Nous deux, perdre le contrôle des enfants. Comment est-ce possible? Bah, ça ne va pas du tout, cette mission est un échec. Bah, ça va bien, je crois. Ceci ne nous mènera à rien, retirons-nous. Rendrons-leur que la Team Galaxy agit avec bienveillance. Bah, Souka. La Team Galaxy? Pardon, c'est sorbier. La Team Galaxy? Bon, si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est de la folie! Comment peuvent-ils croire une seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie? Quoi qu'il en soit, tu t'es vraiment bien battu, Lanou. En te voyant combattre aux côtés de tes Pokémon, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Je ne sais pas si t'es au courant, mais le professeur étudie l'évolution des... C'est Luca! Oh! Bon, ça va, hein. 80% des Pokémon sont liés d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Je me demande si certains Pokémon évoluent d'une façon de façon surprenante. On doit tous les deux faire de notre mieux pour aider le professeur dans ses recherches. Oui, oui. Je sais. Allez-vous-en. Au revoir, hein, du coup. Oui. C'est... Oh la vache. Il n'y a aucun mouvement de cam qui est bon, par contre. Hein. C'est... Bref. Ouah, comment tu les as écrasés? Ils n'ont pas fait les malins. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Amel. C'est pas un prénom. Hein. Oh, je suis désolé, mais... Dans l'informatique à Union Police. Tiens, pour te remercier d'avoir... je ferai... Accès à tes boîtes PC, puis depuis n'importe où. Quelques capsules ball tant que j'y suis. D'accord. Je note aussi. Fermez la... Mais bannez-le, putain. Bannez-moi ça, les modos. Fatigue. Elles sont plus stylées quand elles s'ouvriront. D'accord. D'accord, ouais. Ok. D'accord. Non mais vos références, hein. Vos références, hein. Oh, c'est pas là. C'est un toit orange, c'est la même chose. Là. Je vais essayer de finir le jeu pour une première fois. Puis après, je vais finir une deuxième fois les yeux bandés. Lol. Ils sont partis, putain, ça y est. Personne va pouvoir les arrêter. C'est terminé, j'ai perdu mon chat YouTube. YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode. Venez, viens sur Twitch. Bon, évidemment, le jour où tu verras ça, à mon avis, j'aurai eu mon troisième enfant. Donc voilà. Mais viens quand même. Franchement, viens, c'est mieux en live, on s'amuse. Il y a des débiles qui floutent mon chat avec des paroles de merde. Et puis voilà, hein. Visez la lune, ça ne me fait pas peur. On va s'arrêter sur ça. YouTube, des bisous. Au revoir.